Bon, heureusement quand même, à cette période, la femelle le fait savoir. Elle va pas le garder pour elle. Elle va être nettement plus active, pousser des petits cris, se frotter un peu partout pour laisser des odeurs et pour attirer les mâles. Donc à ce moment-là, on les réunit. Mais j'insiste, une fois la période passée, chacun retourne de son côté. Alors qui dit accouplement dit normalement bébé, mais quand même, afin de parler des bébés, je vais durer un petit peu le suspense. Il y a un phénomène intéressant chez les pandas géants et en fait chez tous les animaux de la famille des Ursidés, ce qu'on appelle la diapause embryonnaire. Alors après fécondation, l'œuf peut rester dans l'utérus de la maman sans se développer.